Allez, mon vieux. Oli, tu m'entends? Allez, viens, il faut qu'on s'arrache. Hey, mais t'es fou, c'est mon frère. Mais tu peux plus rien pour lui. Oli, sois pas vache. Tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, je lui rendrai si jamais il s'en sort. Allez, on se tire. Mais on peut pas le laisser comme ça. Amène-toi. Il s'est fait avoir. Vous n'allez pas le laisser crever? Je vais appeler les urgences. Le temps qu'ils arrivent, il sera déjà mort. Il faut l'emmener à l'hôpital. Et comment? Aide-moi à le porter. Bonsoir, pouvez-vous nous donner l'identité du blessé, s'il vous plaît? Mais non. Je suis le docteur Hayes. Mais je ne sais pas qui c'est. Je l'ai transporté ici, à part ça, je ne sais rien. Suivez-moi quand même. Venez. Oui, oui. Ça ne va pas? Si, si, seulement je n'arrive pas à dormir. S'il vous plaît, par ici. Bonjour Victor. Bonjour Anne. Bonjour Lesman. Tu as l'air ravi d'avoir bien dormi. Merci. Si tu veux le voir tout de suite, il est très mal en point. Oh non, laisse-moi encore un peu de temps. C'est qui celui-là? Un témoin. Il nous a déjà fourni des informations, mais comme il est sourd, nous avons fait appel à notre traductrice. Alors? A-t-il vu quelque chose? Apparemment oui. Bonjour. Bonjour. Bertram. Siska. Monsieur Noubert. Monsieur Siska. Je peux savoir ce que dit Monsieur Noubert? Il est arrivé sur les lieux ce matin. La porte était ouverte et la porte de la baraque aussi. Et le coffre-fort à l'intérieur était ouvert. Et ensuite, il a découvert son patron mort au fond de la pièce dans une mare de sang. Je vais jeter un coup d'œil au cadavre. Merci beaucoup. Ah, Anne, vous continuez. Demandez-lui donc depuis combien de temps il travaille ici. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Bonjour, docteur. Bonjour, Siska. Ça fait au moins 3 jours qu'il est allongé là. Il y a passé tout le week-end. Apparemment, il y a eu affrontement entre plusieurs participants. Il y a de multiples éraflures, majoritairement sur la poitrine et le long des bras. Quant au coup fatal, il a été porté à l'aide d'un objet au tranchant émoussé. L'arme du crime, un casque de moto.
Ça change pour une fois. Un coup asséné avec force. Merci. C'est pas joli. Il y a 3 jours, vendredi, 3 jeunes gens sont arrivés. Ils ont laissé une moto à réparer chez mon patron et ils ont voulu la récupérer sans payer. Alors ils en sont venus aux mains et j'ignore comment cette histoire s'est terminée parce que je suis rentrée chez moi. Connaissaient-ils ces personnes? Non, ils ne les connaissaient pas. Et la moto qu'ils avaient déposée? Elle a disparu. Monsieur Newbert, avez-vous une idée de ce qui pouvait se trouver dans le coffre-fort de la victime? Oui, il a déjà répondu à cette question. Il y avait environ 3000 euros et un pistolet chargé. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais avoir la liste du personnel. Est-ce que les feuillards sont arrivés? Oui, oui, tout est là. Où est Youssouf? Il est aux toilettes. Allez, on se bouge là, mon vieux. Au boulot! Oui! Et ça vaut aussi pour toi. Un meurtre. Passe-moi ton portable. Il ne marche pas, la batterie est vide. Meurtre Heidhausen, recherche 3 motards. Il faut absolument que j'appelle la police. À votre arrivée, vous ne pouviez pas faire 10 pas sans être essoufflé. Maintenant, vous faites tout le schéma. Avec votre aide. Bientôt, vous allez y arriver toute seule. Par conséquent, la perspective d'une opération semble exclue pour le moment. Oui? Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Vous avez téléphoné à notre secrétariat. Et il s'agit d'un patient qui... qui a dû être admis dans nos services dans la nuit de samedi à dimanche. L'identité et l'adresse de ce patient nous sont toujours inconnues à ce jour. L'homme qui vous a amené ce blessé grave est un dénommé Henning, maçon de son état. C'est lui qui a pris la peine de nous informer. Il pourrait s'agir du patient Friedhelm Riedel qui a quitté notre établissement. Pourquoi? Il a été transféré à la demande de sa mère. Elle non plus n'a pas donné son identité. Pour quelle raison la mère a-t-elle fait transférer son fils? Oui, je voudrais savoir qui s'est occupé personnellement du transfert du patient Riedel. Électroencéphalogramme plat, état de mort cérébrale. Pourriez-vous vous renseigner? Merci beaucoup. De quel genre de blessure souffre Monsieur Riedel? Traumatisme crânien doublé d'une hémorragie cérébrale. Son cerveau est cliniquement mort. Ce qui signifie quoi exactement? Il est dans un coma profond irréversible. Il ne survit que grâce à l'assistance cardiaque et respiratoire. Voilà. Je vais vous envoyer une infirmière. À ce soir. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Siska, monsieur Lesman. Docteur Bloch, le responsable du service. Docteur, le patient Riedel était-il vraiment transportable? La pression sanguine était stable. Il est alimenté par une sonde. Vous devez avoir un dossier médical complet sur le patient. Il est dans mon bureau. Vous étiez de service ce soir-là, n'est-ce pas? Ma mère nous a appelés. J'ai dû lui décrire en détail l'état de son fils. Comment a-t-elle su que son fils avait été admis dans votre service? Certainement par des amis du jeune homme. Elle nous a rappelés tard dans la soirée. Elle avait trouvé un lit libre dans une clinique privée. Elle voulait l'avoir près de chez elle. Vous avez été en contact avec cette clinique? Cet établissement dispose des appareillages de survie nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette clinique? La clinique privée de Brodersen à Gauting. En ce qui concerne le transfert du patient, comment ça s'est passé? La mère est arrivée avec une ambulance. Elle a essayé de communiquer avec son fils. Elle n'arrêtait pas de lui parler. C'était terrible. Que reprochez-vous, juste, à cet homme? Sa participation à un meurtre. Sans doute un homicide volontaire. Merci beaucoup.
bon sang. Rien que le parcours en lui-même est une véritable folie. Tous les trois arbres, on tombe sur une plaque commémorative. Oui. Quand les collègues sont arrivés, la moto avait disparu. Cependant, la trace des pneus mène directement au lac. Les plongeurs ont déjà été prévenus. La clinique privée Brotherson avait tout préparé pour accueillir le jeune patient Riddle qui n'est jamais venu. Pas plus ce soir que le lendemain matin, d'ailleurs. Apparemment, il n'a été signalé dans aucune autre clinique dans un périmètre de 50 km et aucune ambulance n'a été commandée pour le transfert du patient. Attendez, il n'a pas pu se volatiliser. Et ce n'est pas tout. Le nom que la soi-disant mère a donné à l'hôpital n'existe pas. Aucun Riddle n'est enregistré. Ni à Munich, et encore moins dans la région environnante. Ses amis l'ont enlevé pour l'empêcher de parler. Il a perdu l'usage de la parole définitivement. Évidemment, il l'ignorait. Voyons, Lesman, un enlèvement? Non, non. C'est une pointure trop grande pour ces gars-là. Jetez un coup d'œil à ça. Regardez. Monsieur Henning? Lui-même. Bonjour, police criminelle, Victor Siska. Voici mon collègue, Lesman. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris la peine de nous appeler pour nous signaler un accident? Si je n'étais pas intervenu, le pauvre gars serait encore allongé là. Ces ordures. Il l'aurait laissé crever comme un chien. Il bosse pas, ça les empêche pas de se payer des motos. Est-ce que vous vous souvenez de l'immatriculation de ces motos? Il faisait nuit. L'homme que vous avez transporté à l'hôpital avait une grave blessure à la tête. Il ne reprendra plus jamais conscience. C'est bien ce que je pensais quand je l'ai vu. Désolé, mais je vais manger. Vous avez bien 2 minutes. Oui, mais pas plus. Comment avez-vous transporté le jeune homme? Dans mon camion. Vous ne croyez tout de même pas que je l'ai porté? Vous l'avez pris dans vos bras spontanément? Nous l'avons couché sur une échelle qui a servi de brancard. Et les deux autres vous ont donné un coup de main? Il y en a un qui s'est mis au bout pour le tenir et l'autre a grimpé dans le camion. Mais il a fallu que je lui demande. Nous aimerions bien examiner cette échelle. J'en ai besoin, moi. Dans ce cas, vous payez la location. Nous n'en avons besoin que 2 heures pour l'examiner et essayer de trouver des empreintes. Vous l'utilisez souvent? Non, très peu. Elle est toujours dans le camion. Laissez, on s'en charge. Si nous découvrons quelque chose, vous aurez une entrée gratuite pour le bal de la police. Prévoyez un smoking, c'est obligatoire. Mais je ne sais pas danser. Le buffet est somptueux. Là? Oui, il est en train de discuter avec le professeur. Je voulais juste vous dire que j'étais prête. Je vais lui signaler tout de suite. Merci. Combien de temps nous reste-t-il encore? Sans transplantation, 6 mois. Nous n'avons toujours pas trouvé de donneur compatible avec le groupe sanguin de votre fille. Je ne me fais pas d'illusions. Et c'est pour cette raison que je préfère l'avoir à la maison. Monsieur Raymond, votre fille est prête. Allez la chercher, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Mais je préfère vous prévenir. Il est possible qu'il y ait des complications. Dans ce cas, je peux la ramener chez vous à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Bien entendu. Pourrais-je parler au docteur Block? Je vais vous arranger ça. J'attends dehors. Sabine? Docteur? Je voulais vous souhaiter bonne chance. Au revoir. Merci encore pour tout. Thank you.
Monsieur Raymond, vous désiriez me parler? Oui, je voulais prendre congé. Comment se sent-elle? Et plus combative que jamais. Je vous dis à très bientôt. Je l'espère de tout cœur. Merci pour tout. On vous tirait déjà? J'ai plus un rond. À d'autres? Et Oli, pourquoi on ne le voit plus? Qu'est-ce qu'il devient? Il est parti en voyage dans le désert. Au Sahara? En Arizona. Salut. Où on en est? Au bord du précipice. Arrête de délirer. Je délire pas, c'est la pure vérité. Bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon Dieu, éteignez-moi ces phares. Bonsoir, messieurs. À quoi ça rime, ce cirque? C'est tout simple, c'est pour pouvoir mieux vous voir. Et pourquoi on peut savoir? Guerre close. Ouais. Alors, vous êtes Bernd Kantler. Ouais, et alors? Descendez de vos engins. Vous figurez dans notre fichier en bonne place avec photos et empreintes digitales à la rubrique violation de domicile, vol de distributeur automatique. Cela dit, de nos jours, c'est considéré comme une bagatelle. Oui, et maintenant, nous avons relevé vos empreintes sur une échelle qui vous a servi à vous et à votre ami pour transporter votre frère à l'hôpital le plus proche, n'est-ce pas? Nous aimerions savoir, naturellement, ce qui s'est passé avant et après ce transport. Bien, alors vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Les collègues vont s'occuper de vous. Et nos bécanes? Mais quelle question, on va les prendre et puis avec, on va rentrer à la maison. Quoi? Ça vous intéresse pas? Bon, d'accord, alors on va les faire emballer. Pas dormir. Veux-tu que j'aille te chercher à boire? Non, merci. Elle est morte à quel âge? 35 ans. 10 ans de plus que moi. Tu vivras beaucoup plus longtemps qu'elle. Oui, et quand avez-vous décidé de récupérer la moto? Il n'avait absolument rien fait, à part resserrer quelques vis, c'est tout. Et il nous a demandé un maximum de blé pour ça. Évidemment, vous ne l'avez pas payé. Non. Alors il a décidé de garder la moto en contrepartie. Il était connu pour ça, c'était pas un type réglo. Mais ensuite? Nous l'avons secoué pour l'intimider et le faire changer d'avis. Et votre ami Oli s'est mis à le frapper avec son casque? Ce n'est pas vrai. Oli a oublié son casque, mais nous n'y sommes pour rien si d'autres s'en sont servis pour le frapper. Ensuite, vous avez volé la clé du coffre-fort. Il n'était pas mort et nous n'avons pas pris la clé non plus. La mémoire va peut-être vous revenir. Nous avons le temps. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La même chose que vous. Vous vous êtes concerté. Pourquoi? C'est ridicule. Vous vous êtes concerté parce que vous savez pertinemment que c'est un meurtre. Décidément, c'est une obsession. Je ne vous lâcherai pas tant que vous ne m'aurez pas dit où vous avez amené votre frère dans la nuit de mardi à mercredi. Votre frère a disparu. Quelqu'un l'a kidnappé à l'hôpital. Où étiez-vous à ce moment-là? Chez Uber, où on a trié des bouteilles pour gagner quelques euros. Et ensuite?
Ensuite, nous sommes allés dans notre bar habituel. Il y avait 100 témoins au minimum. On se contenterait de 2 ou 3? Vous n'avez rien de solide contre nous. Nous finirons bien par trouver. Faites-moi confiance. Vous êtes libre. Et votre ami aussi. Alors... Je voudrais te parler d'un homme de nationalité russe. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Le docteur Timofeyev. J'ai fait sa connaissance lors d'un congrès à Vienne. C'est un professeur de médecine extrêmement réputé. Je ne prends pas de sucre. Oh, comment ai-je pu oublier? Excuse-moi. Ce n'est pas grave. Je ne sais plus où j'en étais. Et tu l'as rencontré à un congrès à Vienne? Bon. Les Russes ont une grande réputation en matière médicale et Timofeyev est une sommité. Oui, Timofeyev dirige un sanatorium en Crimée. Tu ne vas pas m'envoyer là-bas, j'espère. Si. Si. C'est le seul endroit où l'on pourrait soigner ton cœur. Timofeyev connaît bien ton problème. Je veux que tu guérisses. Vous venez? Oh, excusez-moi, Hanna. Autant pour moi. J'ai quelques informations à vous communiquer. Oui. Espérons qu'elles seront plus réjouissantes. Ça, c'est selon. Le directeur et les employés de la société Uber ont confirmé que Kantler et Lose ont bien trié des bouteilles mercredi de 17 à 20 heures, à la suite de quoi ils sont allés se défouler au foyer des bikers de Bjornsson. Les témoins sont le tireur de bière et une douzaine de clients. Oui. C'est ce que je pensais. Ce ne sont pas eux qui ont enlevé le frère, c'est évident. Mais, Hanne, qui d'autre pourrait avoir intérêt à faire sortir un gamin très gravement blessé de l'hôpital? Ouais. Là est toute la question. Combien de temps est-il resté ici? Le temps que sa circulation et sa respiration se stabilisent. Et ensuite? On l'a mis au premier en interne, dans une chambre seule. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Toujours la même chose, une piste de votre patient disparu. Comment pouvons-nous vous aider? Qu'avez-vous entrepris pour sauver la vie de M. Kantler? Parce qu'en fait, son vrai nom est Olaf Kantler. Je pense qu'il est préférable d'en discuter dans mon bureau. Il faut que j'interrompe un instant mes visites. Par ici. Merci, madame. Je vous en prie. J'ai là tous les examens médicaux par service. Nous avons remis le dossier médical à la mère, qui espérait le sauver alors qu'il n'y avait plus rien à faire. Le seul fait de le transporter risquait de provoquer une hémorragie secondaire au niveau du tronc cérébral, susceptible de transformer ce coma en mort définitive. Dans le cas où un médecin commettrait une erreur, une soi-disant faute professionnelle, entraînant la mort d'un patient, quel comportement va-t-il adopter? Admettra-t-il qu'il s'est trompé ou cherchera-t-il à la dissimuler? Ou bien ira-t-il jusqu'au point de faire disparaître le patient une fois pour toutes? Je suis atterré par le niveau de vos propos. Je crois que vous cherchez à inverser la situation et qu'il est préférable de ne pas parler ici de niveau. Oui, maintenant écoutez-moi bien. Il est question d'un meurtre et de la disparition d'un de vos patients, Olaf Kantler, qui n'est jamais arrivé dans cette clinique de Brodersen. Nous aimerions parler à la personne qui s'est occupée de faire le transfert. Je ne peux rien vous dire pour le moment, je regrette. Le docteur Bloch est parti en vacances jusqu'à la fin du mois. Mais où pouvons-nous la joindre? Adressez-vous au secrétariat, ils vous renseigneront. Il faut que je continue mes visites. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs.
Veux-tu boire quelque chose? Non, merci. Tu vas atterrir dans 6 heures. Le docteur Timofeyev va t'accueillir à l'aéroport. Il parle très bien anglais. Et dans 3 jours, je viendrai te rejoindre. Tu connaîtras déjà ton nouveau protocole. Monsieur Raymond? Merci, papa. Oui? Bonjour. Bonjour. Beat Lersch, c'est moi qui vais accompagner votre fille. C'est gentil à vous d'être venu. Bonjour. J'aimerais être traitée comme une passagère normale, si possible. Soyez sans crainte. Je vais vous laisser seule un moment. À tout de suite. Dans 2 mois, tu seras complètement guérie. Tu pourras mener une vie normale. Tu seras guérie pour toujours. Tu pourras de nouveau danser, nager, courir. Je ne sais même pas si j'en ai encore envie. Tu vas retrouver ton sourire. Viens. Bonsoir. Et bonsoir. S'il ne vient pas dans le prochain... Alors, nous rentrerons chez nous. Bah oui. Et si elle arrive? Dans ce cas, nous resterons. Exact. Je crois que nous restons. Vous parliez de moi? Bonsoir. Non, je parlais avec mon collègue. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez venir chez moi? Venez, entrez. Vous êtes en vacances? Je me balade pour décompresser. Mais on dirait une tertiaire pour poche à perfusion, ça. Je m'en sers lorsque je pique-nique en chemin. Où êtes-vous allé? À la montagne. Connaissez-vous le parc Nahlam? Bien sûr. Avec ses chaussures? Je laisse toujours mes chaussures de marche dans la voiture. Je vous en prie. J'ai besoin d'un verre. Vous en voulez un? Anne? Non, merci. Non, merci. Bon. Alors, dites-moi ce que vous voulez de moi. Mais avant, asseyez-vous. À votre santé. Merci. Vous travaillez dans cette clinique depuis combien de temps? Bientôt 6 ans. Mais je vais bientôt arrêter car je vais ouvrir mon propre cabinet médical. Oh, mais ça coûte cher de s'installer. On n'a rien pour rien de nos jours. Oui. Vous avez assisté au transport de ce blessé plongé dans un coma irréversible? Comment procède-t-on dans de pareils cas? En général, on évite de transporter ces malades qui sont cliniquement morts. À aucun moment, il ne vous est venu à l'esprit que quelque chose clochait? Pas un instant. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où l'on a pu transporter ce patient? Pas la moindre. Pensez-vous possible que cet homme vive encore? Avec des soins appropriés, sans doute. Ce que j'espère. Combien de temps peut-il être maintenu en vie avec des soins appropriés? Tant que l'on pratique l'alimentation artificielle. En cas de coma irréversible, on arrête tout, car c'est interdit par la loi. D'autres questions? Non, ça ira. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On aurait dû demander à jeter un coup d'œil sur ses chaussures de marche. Oui, et aussi sur sa glacière pour vérifier les miettes du fameux pique-nique. Hanne, il va falloir mettre son téléphone sur écoute. Oh, je vais demander une autorisation. Faites en sorte que le motif tienne la route. Vous avez beaucoup d'imagination.
voilà qui est intéressant. Réaction de rejet après une transplantation cardiaque. Mm-hmm. Ça a l'air captivant. Ah oui, c'est le titre d'une thèse de médecine de troisième cycle de la faculté de médecine de l'université Ludwig-Maximilian de Munich. De plus en plus captivant, Hanne. Cette thèse a été soutenue en mars 97 par Eva Block. Mieux, c'est fascinant. C'est le médecin qui s'est occupé du transfert de Kantler, si je ne m'abuse. Est-ce que cela peut nous faire progresser? Je ne le sais pas encore, mais ce médecin a continué d'œuvrer dans son domaine de prédilection, à l'hôpital. Elle travaille en médecine interne au service des maladies cardiaques et de la circulation sanguine. Mm-hmm. Je dérange? Quoi? Non. Ah, oh, qui c'est? Les techniciens ont terminé d'examiner la moto. Alors? Dans le mille. Lesman, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un Helix Granata. Anne? Oui? Lesman, on y va. Un double whisky avec des glaçons? Oui, c'est une bonne idée, merci. Prépare-toi à rouler la monnaie. Ça va? Ah, c'est pas vrai. Tu joues comme un pied. C'est normal, il est perturbé à cause de son frère qui est en train de passer l'arme à gauche. Je t'interdis de parler de mon frère. Arrêtez les gars. Où est-ce qu'il se planque? Allez, à toi de jouer. Est-ce que je pourrais parler à ces deux jeunes gens, s'il vous plaît? Bernie, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ils sont sortis par derrière, à vous de jouer. Quelle bonne idée de vous être enfui par derrière. C'est plus court pour aller à la voiture. Ce charmant monsieur va vous accompagner. Vous êtes nos prisonniers. Calibre 7,65. On l'a retrouvé sous la selle de la moto que vous aviez jetée au fond du lac de Starnberger. Cette moto appartenait bien à votre frère. Le pistolet était celui de l'homme qui a été tué dans sa baraque. Vous lui avez subtilisé sa clé de coffre-fort et vous l'avez ensuite vidée. 3000 euros et le pistolet. On vous écoute. Allez, mettez-vous à table. Parlez. Alors... Bon, oui, vous l'avez roué de coups et ensuite. Tout d'abord, nous avons essayé de le raisonner. Oui, et alors? Alors, ça s'est envenimé et... Ton frère s'est mis à le frapper avec le casque. Il n'avait pas l'intention de le tuer. Il voulait juste lui donner une leçon. Avec ce genre de leçon, il y a des risques que ça se termine très mal. Qui est-ce qui a pris la clé du coffre-fort? Oui. Continue. Alors le pistolet, c'est ton frère qui l'a pris. L'argent, vous voulez le partager. Mon Dieu. Embarquez-les. Vous avez des nouvelles de mon frère? Non, aucune. Allez, venez. Siska. Quand pourra-t-on l'auditionner? Merci, nous arrivons tout de suite. Hanne! Les collègues des écoutes téléphoniques ont surpris quelque chose d'intéressant sur la ligne de Madame Block. Ah, la soirée promet d'être longue, emportez une pomme. Ah zut, ça tombe mal aujourd'hui, je n'ai rien prévu. Bonsoir. Que me vaut l'honneur de votre visite? Quelques questions. Si je peux vous rendre service. Il y a une semaine, un patient a été admis aux urgences de l'hôpital Elisabeth. 3 jours plus tard, il a disparu mystérieusement. Mm-hmm. J'en ai entendu parler. Et il y a 3 jours, une personne se trouvait dans le même établissement, votre fille. Pourriez-vous nous dire de quoi elle souffre? Vous pouvez.
Il y a 2 ans, elle a eu une inflammation du myocarde suite à une infection par un virus. Et suite à cette infection, elle a développé un problème cardiaque important. Est-ce que c'est grave? C'est très grave. À quel point? Elle n'a aucune chance de guérison possible. Vous connaissez le chef de service de médecine interne, le docteur Block? Naturellement. C'est elle qui traitait ma fille. Êtes-vous resté en contact avec elle? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous lui avez téléphoné. C'est exact. Elle est arrivée il y a 1 heure. Oui, c'est bien vous. Le vol s'est bien passé. Je n'en attendais pas moins. Et vous, comment ça va chez vous? Tout va bien. J'ai réservé une place sur un des vols de jeudi. Nous saurons l'heure exacte plus tard. Je me tiens prête. Pourquoi avez-vous réservé ce vol? Où voulez-vous aller? Je peux vous le dire, ce n'est pas un mystère. Nous allons à Séville, parce que c'est un endroit merveilleux. Et qu'ensuite, j'y ai des affaires à traiter, que j'ai invité Madame Block à m'accompagner. À titre de remerciement pour s'être si bien occupée de ma fille. Vous êtes prêt à tout quand il s'agit de votre fille, n'est-ce pas? Oui. Au revoir. Numéro 56, au fond de la cour. Vous me déposez et vous ne m'attendez pas. Quand dois-je passer vous prendre? Je vous en informerai en temps voulu. Entendu. C'est Raymond. Merci. Bonjour. Le docteur Block est-elle là? Oui, elle est là. Entrez vite. Écoutez, elle vous avait demandé de ne pas venir ici. C'est important. Une minute. Eva? Oui? Venez, s'il vous plaît. Monsieur Raymond est là. Que s'est-il passé? Je vais vous laisser. Merci. Votre ligne téléphonique est sur écoute. Nos conversations sont enregistrées. Et je pense que nous sommes surveillés 24 heures sur 24. Il a fallu que je change totalement nos plans de départ. J'ai dû avancer le vol à ce soir. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est possible? Il n'y a aucun problème. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Et ça va continuer. Je reste ici jusqu'à ce qu'on passe me chercher. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Comme vous voyez, le cœur de la jeune Sabine Raymond est légèrement hypertrophié. Et 1 an plus tard, l'hypertrophie est telle qu'elle n'est plus mesurable. Voilà le cœur maintenant. La fonction cardiaque est réduite de 40%. Est-ce qu'il y a une chance de guérison? Les lésions sont trop importantes. La seule solution envisageable pour la sauver, c'est la transplantation. Un nouveau cœur? Oui. Nous avons tout essayé, consulté tous les hôpitaux possibles. Le père est allé au Japon, aux États-Unis. Nous avons fait le maximum. Hélas, sans succès. Vous n'avez pas trouvé de nouveau cœur? Si, mais ils étaient incompatibles avec le cœur de Sabine. Pour que la transplantation soit possible, il faut que le donneur soit compatible. En clair, le receveur et le donneur doivent avoir des groupes sanguins identiques. C'est indispensable, sinon le rejet est systématique.
Et cette patiente a un groupe sanguin très rare. En effet, le pourcentage est de 1 sur 100 000 personnes. Si vous ne trouvez pas de donneur compatible, cette jeune fille est condamnée. Et le donneur doit être mort pour qu'on lui prélève son cœur. Je parle de mort clinique, évidemment. Et je suppose qu'il doit avoir une carte de donneur. Ou bien que la famille donne son accord. Sans cet accord, c'est impossible. C'est comme ça. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes bien studieux. Vous travaillez sur quoi? Oh, rien de spécial. Nous sommes allés faire un tour à l'appartement de nos deux inculpés et nous avons rapporté deux cartons entiers de photos. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous feriez bien d'y jeter un coup d'œil avant que d'autres s'en emparent. Famille, école, excursion, les choses habituelles. Sans parler de plusieurs photos du frère mort dans l'accident de moto. Une minute, qu'est-ce que c'est que ça? Olaf Kantler devant un stand de tir. J'ai vu. Il y a autre chose. Regardez là. Cette ligne fine autour du poignet, on dirait un tatouage. C'est bien un tatouage. Eh bien, grossi à la loupe, ça donne des lettres et des chiffres. B7, B9, DR, 4, DR, 3. Ah mais oui, c'est inscrit là. C'est le numéro de groupe sanguin de Kankler. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il a ajouté son empreinte génétique. Son empreinte génétique? Tout un programme. Il y a 2 ans, lors d'une fête folklorique à Rammersdorf, une femme a été tuée. 2 jeunes gens ont été soupçonnés du meurtre, dont Olaf Kankler. On a fait des tests d'ADN aux 2 garçons, et comme l'échantillon sanguin de Kankler ne correspondait pas aux traces retrouvées sur les lieux du crime, il a été acquitté. Et pour faire le malin, il s'est amusé à se faire tatouer ses formules sanguines et génétiques sur le bras. Et quand il est arrivé inconscient à l'hôpital, le docteur Bloch a vu le tatouage. Et bien sûr, elle a immédiatement compris qu'elle avait enfin trouvé le donneur tant attendu. La formule sanguine et la carte génétique étaient identiques à celle de Sabine Raymond. Vous ne vous reposez jamais. Désolé pour le dérangement, mais nous devons faire très vite. Nous essayons d'empêcher qu'un délit soit commis. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Votre fille était condamnée par la médecine lorsque le destin ou la chance ont mis sur votre route ce jeune donneur compatible. Le docteur Bloch, chef de service de médecine interne de l'hôpital Elisabeth, vous a averti qu'un jeune homme du même groupe génétique et sanguin que votre fille était en train de mourir. Combien lui avez-vous proposé pour mettre au point l'enlèvement de ce patient? C'est simple, vous allez assumer les frais d'installation de son cabinet médical. Il y a 10 ans, j'ai perdu ma femme, ma fille a perdu sa mère. Ça nous a encore plus rapprochés à un point que vous n'imaginez pas. Je me battrai pour que ma fille vive. Mais rendez-vous compte que pour qu'elle vive, il faut absolument qu'un autre meure. Il s'agit d'un meurtrier qui ne sent plus rien et qui n'est plus en mesure de réfléchir. Cet homme est encore en vie, même si c'est un véritable légume. Un homme réduit à l'état de légume contre une fille bien aimée. Mais ils sont tous les deux égaux devant la justice. Où avez-vous emmené Olaf Kankler? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire.
Dans 3 ou 4 jours, votre fille Sabine va avoir un cœur tout neuf, le cœur d'un homme qui respire encore. Mais qui n'est plus du tout conscient. Nous ne savons pas ce qui se passe en lui, et vous, vous ne le savez pas non plus. Que feriez-vous si vous aviez une fille? Ou bien une mère, ou une sœur? Ou un frère, oui! Que feriez-vous? Moi? Il faut que je vous arrête pour complicité d'enlèvement sur une personne sur le point de mourir et dont vous avez anticipé la mort. Vous ne faites que votre devoir. Tout comme moi. Allez, venez. Votre portable sonne. Quoi? Votre portable. Ah oui. Allô? Oui, Lesman. Victor, nous venons d'avoir une information de l'aéroport de Meiningen. Un avion vient d'atterrir, un charter, 24 heures avant l'heure prévue. Le vol est censé repartir à 0h10. Transport de malades plus 2 accompagnatrices, destination Yalta. Écoute, Lesman, fais en sorte d'empêcher que le malade monte à bord. Essaie de parler aux pilotes et ne les laisse pas repartir, d'accord? Tiens bon, on arrive. D'accord. Lesman, que se passe-t-il? J'ai fait arrêter l'avion. Le pilote est à côté de moi. Mais ni le docteur Bloch ni le patient ne sont arrivés. C'était pour faire diversion. Oui, nous avons été trompés. Cet avion était un appât. C'est Raymond qui a tout manigancé. Peut-être qu'ils vont décoller d'un autre endroit, je ne sais pas. Peut-être d'une prairie ou au milieu d'une forêt. Ne bouge pas, je te rappelle. Anne, appelez les services de la sécurité aérienne. Anne, police criminelle, est-ce que vous avez un vol prévu en partance pour Yalta? Il y a un vol pour Yalta qui a été annulé il y a 5 minutes. Mais une information vient de tomber à l'instant, un transport médical en partance pour Yalta est prévu. Décollage dans 5 minutes à l'aéroport de Karlsbad. Est-ce que vous pouvez empêcher le décollage? Sans autorisation juridique, non. Merci. Cet aéroport est à combien de kilomètres? À 25 kilomètres environ. Alors c'est parti.
Bonjour, monsieur Hanna. Bonjour, Siska. Alors, le docteur Block est passé aux aveux. Voici sa déposition. Elle n'avait pas d'autre alternative. Quand elle a vu le tatouage sur le bras du jeune homme admis aux urgences de l'hôpital, elle en a informé Raymond en lui expliquant clairement qu'il n'aurait jamais l'autorisation de transplantation du cœur d'un patient encore en vie. C'est interdit par la loi. Oui, le père voulait ce cœur à tout prix. Il était prêt à payer. Il a proposé une fortune au docteur Block qui voulait se mettre à son compte. Il lui fallait cet argent, ce maudit argent. L'histoire de Sabine lui a fait de la peine, elle a donc accepté de s'occuper du transfert. Et que devient ce jeune homme? Il vient d'être admis aux urgences de l'hôpital central, mais le transport et les conditions de l'enlèvement ont déclenché une hémorragie cérébrale importante. Les médecins de l'hôpital nous ont annoncé que son cas était désespéré et que la fin était proche. Ce qui signifie que maintenant, son cœur peut être transplanté. Est-ce qu'il serait possible? À condition qu'un parent proche donne son accord. La jeune fille se trouve où exactement? À Yalta. Hanna, mettez-vous en rapport avec le père. Faites revenir la fille par le premier avion. Oui, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Moi? Je vais rendre un petit service à quelqu'un. Petit service? Bonjour, monsieur Cantler. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà tout dit. Pas tout à fait, mais asseyez-vous, je vous en prie. Votre frère est à nouveau à l'hôpital. Et il y est arrivé comment? Je vous raconterai plus tard. J'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous pensez que votre frère serait disposé à donner son cœur à une autre personne pour lui permettre de vivre? Que pensez-vous qu'il répondrait? Il ne peut plus répondre. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Vous êtes son seul parent. Il n'y a que vous qui puissiez donner votre accord et sauver la vie d'une jeune fille. Est-ce que votre frère lui ferait don de son cœur pour la sauver? Dans la mesure où il ne peut répondre, c'est à vous. C'est à vous que je m'adresse. Ce n'est pas si simple. Bonsoir. Bonsoir. Que va-t-il se passer pour mon père? Il devra se justifier devant le tribunal. Il l'a fait pour moi. Vous permettez? Mademoiselle Raymond? Oui. Le jeune homme qui est en prison a répondu pour son frère et il a dit oui. La commission des médecins a approuvé. Vous allez avoir un cœur tout neuf. Merci. Ah, autre chose. Le jeune homme en prison a émis un souhait. Quand vous aurez le cœur de son frère, il aimerait l'entendre battre au moins une fois.